Bien. Classe de 6e 5. Quand j'appelle vos noms, vous mettez devant et faites en rond par deux. Paraît que ce lycée, c'est une chance. Je me suis installée à côté de la fille de la petite maison dans la prairie. Peut-être que si je me mets tout le temps à côté d'elle, je deviendrai aussi belle, aussi sage, aussi propre qu'elle. C'est du vrai? Ouais. Du quoi? Du lapin. C'est dégueulasse! Mais arrête, dégage! Je vous donne, non mais oh, ça va pas ou quoi? Eh, hey, c'est quoi ton œil là? Ça commence bien pour un premier jour d'école, bravo. Que je me retrouve pas tous les deux jours chez la Dirlo. Ne fais pas sur un coup de tête. Bah, je peux dormir chez Gladys un jeudi soir. Elle dit quoi ta mère? Demande à ton père. Déjà être amoureuse? Ça va pas. Mais c'est pas une honte. Je sais, mais non. Zéro. Et vous êtes fière de vous? C'est toi qui vois ma cocotte. Moi, je vais pas me battre pour que tu passes à l'école. Je te le dis, hein. Pour faire service, on n'a pas besoin d'école. Il y a un truc dont je m'aperçois de plus en plus. C'est que j'ai pas les connaissances qu'il faut. Je suis pourtant un collab sur le championnat de foot, le ballon d'or et tout. Un collab sur la variété, les paroles, les chansons. Un collab sur les cocktails, le flipper. Un collab sur les gens fiables, pas fiables. Pour le reste, je suis nulle. Mademoiselle Blamin, vous pouvez me répéter ce que je viens de dire? Donc je prendrai, malgré tout, une sanction. Je pense normal. M'orienter vers la sanction d'un avertissement. Avertissement, un avertissement écrit, madame. Je mettrai une bonne tarte dans sa gueule.